Eh bien, salut YouTube! Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo avec une petite boîte à outils pour faire euh, une petite blague, mais euh, voilà, tentative d'humour avortée, ça avait l'air clairement pas marrant, du coup j'ai évité. Vous pourrez euh, souligner ça dans les commentaires, quand même, respect, parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Bon, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo simple, euh, assez rapide, sans gameplay, pour euh, vous présenter les outils d'Airstone, les outils d'Airstone les plus utiles, les plus pratiques, que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une question qui revient très très souvent en stream c'est les questions qui reviennent souvent, qui reviennent le plus souvent en fait finalement. Euh, du coup, bah là, l'épisode d'aujourd'hui va porter exclusivement là-dessus, ça va porter sur les sites pour les decklists, quels sites utiliser pour, euh, voilà, les meilleurs sites pour trouver les decklists, les decklists des, pro, des pros comme les decklists un petit peu fun, comme les decklists euh, low cost, comme tout, toutes sortes de decklists, euh, les sites pour faire des tournois, parce que voilà, quand on a des decklists, bon, on peut jouer avec directement sur Hearthstone, mais on peut également faire des tournois, des tournois amateurs très très simples, très faciles d'accès, gratuits, euh, accessibles à tous avec un niveau, euh, ben bah voilà, euh, plus ou moins élevé, plus ou moins faible, ça dépend des sites, on va en parler. Euh, et euh, enfin. Des, des sites de tournois avec voilà du cash prize où on peut gagner jusqu'à des, des 1000 balles, des trucs comme ça. Euh, des, des tournois voilà qui peuvent coûter un prix d'entrée de 5 euros, 10 euros, des trucs comme ça. Euh, je vais vous présenter un petit peu ça. Et également, enfin, euh, les trackers. Voilà, tout ça. On va faire ça assez rapidement. Je vais essayer de ne pas trop tarder. On va aller sur Internet pour ça. On est sur YouTube. Euh, je commence sur YouTube tout simplement parce que c'est le plus pratique pour les déclistes euh, Voilà, c'est le, le site où vous pouvez. Avoir... C'est le site, je, je pense, où il y a le plus de déclistes différentes avec en plus de ça euh, un, euh, euh, avec en plus de ça une... Euh, une euh une démonstration directe des déclistes, donc ça c'est le plus connu. Voilà, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez. Vous avez pas mal de chaînes euh, qui euh, qui fonctionnent bien ou qui, euh, qui en tout cas, qui présentent beaucoup de déclistes en France. On a armatim on a euh, comment ça s'appelle euh, dans le Kémar on a Unite, The Fichou, on a Lutier, on a moi-même, on a pas mal de gens. Il y a pas mal de chaînes internationales également avec Riparian, Teisenel euh, pour ne citer que euh, que ceux que moi-même je regarde. Voilà, voilà. Ensuite, on a euh, les sites de déclistes vraiment plus réduits. Ça c'est des sites avec des decklists que vous pouvez retrouver euh, comme ça, genre juste écrites avec maintenant le code de la decklist, c'est assez pratique. On a Airspawn qui est le plus connu et pour moi pas clairement pas le meilleur, même l'un des moins bien, mais c'est le plus utilisé, le plus connu. Donc euh, on ne peut pas ne pas le présenter. Je vais vous mettre tous les liens dans la description évidemment. Airspawn, vous pouvez avoir toutes les decklists euh, avec le prix euh, en, en poussière, avec voilà, euh, la date à laquelle ça a été mis. C'est assez bien fait je trouve mais c'est un petit peu euh, c'est un petit peu je vais pas dire brouillon je vais pas dire brouillon parce que c'est un mot vraiment dégradant mais c'est un petit peu euh, c'est très bien fait c'est pas assez épuré moi je trouve moi je trouve c'est pas assez bien et puis on, on voit pas c'est pas assez mis en valeur les bonnes déclics etc etc moi j'aime beaucoup mon site préféré euh, si vous voulez savoir, voilà, Hearthstone Top Deck, je trouve que c'est le meilleur site pour trouver les decklists. Très très simple, il n'y a rien d'autre sur le site, il n'y a rien d'autre, c'est ça, c'est tout. Euh, alors il y a un petit peu de publicité pour Twitch, c'est pas très très grave, hein, bien évidemment. Euh, très simple, on a les, les decks euh, featured decks, on a les decks récents, on a les decks euh, de la communauté, on a les nouveaux decks qui viennent, de, qui viennent de pop sur le site, on a, et là sur la droite, le plus important, juste ici, les meilleurs decks. Donc là c'est tout le temps. Euh, mis à jour les meilleurs decks du jeu, best decks, qui sont tout simplement les decks qui sont pris sur les gros gros tournois, BlizzCon, euh, les Calif des BlizzCon, les, les, euh, les Dreamhack, etc. Euh, les great decks, donc là on a les meilleurs decks, là on a les great decks, les très bons decks, voilà euh, avec du big priest, on peut voir, voilà, du token druid, voilà, du secret match, ça c'est à l'heure actuelle, si vous regardez la vidéo plus tard ce sera probablement plus le cas. Euh, ensuite on a les bons decks, voilà tout simplement bons decks, pas forcément incroyable, c'est clairement pas top tiers, mais c'est correct. Et ensuite on a les decks solides, voilà, petite euh, cd euh, notes spéciales, voilà, cela ils sont solides, mais ne les jouez pas trop, c'est à vos risques et périls. Mais ils sont, voilà, vous pouvez monter avec, mais c'est un petit peu. Par exemple, l'Exodia typiquement, c'est un très 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 bon deck. Il est très solide, mais voilà, il est très fort contre prêtre ou un truc comme ça, mais il va se faire déglinguer par un deck agro, tu vois. Donc euh, c'est des decks euh, juste solides, mais qui sont pas top tiers tout simplement donc c'est très très bien mis à jour c'est tenu par beaucoup de pros c'est très sympa je trouve euh, on a un autre deck un autre site qui est encore moins connu qui, mais qui est très sympa dont je vous, que je voulais vous présenter aujourd'hui voilà comme ça vous aurez les trois sites qui pour moi sont sont, euh, sont bons à connaître euh, qui est Toast, alors toast pas beaucoup de gens connaissent ça pas beaucoup enfin le, le, la chaîne YouTube est très connue le site pas beaucoup de gens l'utilisent euh, bon certains d'entre vous probablement vous connaissez déjà évidemment mais Très bon très très bon à mon sens euh, très très bien épuré moi j'aime bien quand c'est clair voilà là c'est clair tu vois genre il n'y a pas beaucoup d'informations sur la page c'est facile à lire c'est facile à voir on a nom du joueur le rang qui a été fait avec et à quelle date ça a été ajouté Là c'est le 2 octobre, voilà, on a rang 9 légende OTK Warrior, tout simplement. Ça c'est une vidéo qui va pop sur YouTube dans pas longtemps. On a voilà pas mal de decklist différentes, très très bonne decklist au passage. On a pas mal de decklist différentes, voilà, très très simple, avec, avec très épuré, très clean, euh, facile, facile à comprendre, pas de soucis. Voilà, vous tapez disguisetoast.com decklist, je vais vous mettre tout ça dans la description, de toute façon vous aurez absolument tout. Voilà, voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense au niveau des déclics, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'on a fait le tour, c'est suffisant. Maintenant, on va se pencher sur les sites de tournoi. D'abord les sites de tournoi et ensuite les trackers, ok les sites de tournoi, il y a plusieurs sites très sympathiques. Euh, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y, y en a plein qui sont un petit peu nuls ou il euh, n'y a pas assez de monde. En fait, pour, pour qu'un site de tournoi soit bien, il faut qu'il y ait suffisamment de monde qui aille dessus, tout simplement. Euh, je vais vous en présenter deux ou trois. Tout d'abord, on va commencer avec One Hour que j'ai euh, ouvert ici. One Hour, très connu, un niveau assez bas, euh, finalement. Enfin, bas, euh, ce n'est pas, pas un top niveau. Donc, euh, on est clairement sur du... La plupart des joueurs dessus sont non légendes. Hein, voilà concrètement. Voilà, vous pouvez retrouver des tournois dessus. Vous pouvez également retrouver des tournois. Alors moi, j'en fais pas beaucoup dessus, mais j'en fais même pas du tout dessus. Mais euh, il existe depuis un moment maintenant. Euh, c'est euh, Glory for Gamer. Glory for Gamer. Voilà, vous pouvez retrouver des tournois. Je vous mets ça dans la description également. Vous tapez Glory for Gamer Hearthstone sur Google par exemple. Bam, vous tombez dessus. Vous piquez un tournoi, vous choisissez. Voilà. Tout ça, c'est dessus de sympa, mais moi j'aime pas plus que ça, honnêtement. Maintenant, mon site préféré, à moi, mon site préféré, c'est bien évidemment, alors, hop, euh, StriveWire, qui, à mon sens, est le meilleur site de tournoi euh, d'Airstone. tout simplement. Il y a beaucoup de jeux dessus, hein, voilà, on peut voir, il y a du en Clash Royale, du FIFA, du, du Gwent, etc., euh, mais nous, on va s'intéresser à Hearthstone, très simple, très épuré, euh, avec beaucoup de cash game, beaucoup de, de tournois avec de l'argent où tu mets un petit peu d'argent. Donc tu as un buy-in ici ce qu'on appelle buy-in c'est le prix que tu vas mettre pour rentrer au tournoi, donc là par exemple ce tournoi là, le b il est de 5 euros. Mais il n'y a, a que deux joueurs, donc c'est du 1v1. Tac, euros, celui qui gagne, il gagne 10 balles. Hein, tout simplement. Bon, il y a de moins 30 centimes, c'est quand même une petite commission que le site prend. Mais on s'en fout. Euh, voilà, très simple. Des tournois tout le temps. Il y a tout le temps des tournois tout le temps. T'arrives, il est quoi à 4h du matin, tu veux faire un tournoi, vas-y, go, il est quoi 17h, tu veux faire un tournoi, fonce, tu prépares juste tes déclistes, t'y vas, tu vois, Je vous conseille pas de faire des tournois à argent. Je vous conseille pas de mettre de l'argent dessus. Euh, tout court. Hein. Euh, par contre, voilà, si vous commencez à... Au début, euh, que si vous commencez à voilà, faire beaucoup de tournois et à vous sentir plutôt à l'aise et bien plutôt avoir un bon niveau, là vous pouvez commencer à faire des cash games. Mais commencez d'abord avec des tournois où il n'y a pas d'argent à payer tout simplement. Ah oui, faites gaffe aussi, allez sur Europe, n'allez pas sur NA, sauf si vous êtes sur NA, si vous êtes canadien, que vous, vous nous suivez, euh, ou si vous avez un compte sur Amérique. Moi perso je joue sur les deux, mais faites gaffe quand même à ne pas, euh, pas vous faire piéger, n'est-ce pas donc, euh, donc voilà, très très sympathique, il y a beaucoup de tournois différents tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et puis euh, il faut... Bah, lisez les règles toujours, le seul problème c'est que c'est en anglais. Le petit défaut de ce site là c'est que c'est en anglais, mais au pire à utiliser un traducteur. Et, euh, et voilà, comme ça vous avez globalement les sites de tournois vous pouvez faire des tournois régulièrement. Euh, je pense que c'est les, les trois à savoir concrètement, peut-être j'en oublie un, hein. j'ai pensé à ESL ou euh, Zotac ou des trucs comme ça, mais je suis pas trop au courant de si à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font en fait, donc je voulais pas dire de bêtises. Euh, ensuite, passons aux trackers. Alors, tracker, je vais vous en présenter que deux, parce que je pense, il y en a beaucoup des trackers, il y en a énormément, je ne fais pas confiance à tous les trackers, je vais vous en présenter que deux, il y en a un que j'utilisais avant et un que j'utilise maintenant, celui que j'utilisais avant dans un premier temps, c'est Tracobot. C'est un tracker très simple, vraiment, vraiment simple, euh, très épuré, il n'y a rien, il se passe rien en fait. Vous avez le, le en fait ça retient euh, le, le, les games que vous faites en fait euh, ça enregistre toutes vos games donc vous, ça, ça, ça vous met euh, le match ça vous met l'adversaire le temps de la game le rang euh, la déclise enfin, c'est très simple et vous avez des ça vous donne des stats en fait vous faites euh, bah voilà ce deck là vous voyez 40% c'est un historique en fait 40% de victoire ce deck là vous voyez 60% c'est un historique qui vous donne des stats très sympathique, très 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 léger comme logiciel, tout petit, il est dans son coin, quand vous le téléchargez, il se met tout en bas à droite, là là où je suis, bah, il se met là. Et en fait vous l'oubliez, et puis après vous allez le revoir le lendemain, enfin tu sais, vous jouez, vous faites des petites games ou quoi, le lendemain ou en fin de semaine ou quoi, vous checkez un petit peu le truc et vous voyez, waouh putain la vache, ce deck là en fait c'est de la merde, je vais plutôt changer ça, tac, ce deck voilà. Assez pratique finalement, il est pas mal. Et le tracker le plus connu et pour moi, qui était avant nul, avant je suis JetraCobot, mais qui pour moi s'est tellement, euh, tellement amélioré, c'est Hearthstone euh, Deck Tracker. Hein, tout simplement, Hearthstone Deck Tracker. Beaucoup plus euh, complexe comme, euh, comme tracker. Attendez, je, je vais le mettre par ici. Voilà. Beaucoup plus euh... Ouais. Euh, complexe, mais vous avez beaucoup de statistiques différentes. Euh, que ça marche en arène, ça marche en ladder. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Vous avez les stats de toutes vos decklists, vous avez les stats de toutes les classes, vous avez des stats plus générales. Euh, et surtout, ce qui est très sympa avec Aston Deck Tracker, alors tiens, ça j'aurais dû allumer le jeu avant, j'y ai pas pensé, euh, c'est ce que ça vous apporte in-game. Si vous jouez sur PC, ce que ça vous apporte in-game, c'est monstrueux, ça vous permet de progresser vraiment très rapidement, je trouve. Ça vous donne toutes les informations, en fait, tout simplement de. Euh de vos decklist, des cartes que vous avez déjà piochées, de la decklist de votre adversaire, ça vous donne les informations des cartes qui sont tout, que vous voyez tout en haut euh, le, enfin les cartes de l'adversaire, ça vous donne l'information de laquelle il a depuis quel tour par exemple cette carte là il l'a depuis le tour 2, il l'a gardé dans sa main, cette carte là il l'a depuis le tour 1 euh, il l'a eu au mulligan euh, tu vois tout au début de partie par exemple le mulligan qu'il a mulligan, enfin les cartes qu'il a enlevées, les cartes qu'il a gardées euh, tu peux voir, enfin je trouve ça vraiment bien fait comment oh on fait, attendez, on fait une petite partie contre l'aubergiste aubergiste, hop Vas-y on s'en fout. Hop, ce que tu veux. Et, euh, et je trouve ça vachement hyper pratique. Euh, ça permet vraiment à tout le monde de progresser très rapidement. Moi en stream ça m'aide beaucoup. Vous m'avez probablement vu l'utiliser en stream pas mal parce que... Bah en stream t'es pas forcément extrêmement concentré. Nous on essaye, quand, es, quand tu vas à un tournoi ou un truc comme ça, tu essaies bah, voilà, de juste savoir faire exactement ce que le logiciel fait mais sans le logiciel c'est pour ça que je l'utilisais pas pendant très longtemps et je disais tous les gens me disaient bah utilise un logiciel un tracker je disais bah ça donne une mauvaise habitude maintenant je me permets un peu de l'utiliser parce que c'est vrai qu'en stream c'est hyper pratique quelqu'un arrive en plein milieu d'une game euh, il arrive il voit, la, il voit la main il sait pas trop ce qui se passe par contre il voit là il voit ah j'ai déjà joué cette carte là j'ai déjà joué cette carte là j'ai joué cette carte là tu vois donc là voilà on a les informations ce que vous voyez en haut là ça veut dire qu'il a mis le aucune carte s'il y a un petit m un petit M rouge, alors là il n'y en a pas malheureusement, ça veut dire qu'il a enlevé une carte et qu'elle est revenue dans sa main. Là il a 0, 0, 0, 1, ça veut dire que ces trois cartes-là il les a depuis le tour 0, et celle-là il l'a pioché tour 1. Tu vois Plein de petites inf informations comme ça qui sont extrêmement pratiques. Là sur la gauche vous voyez les cartes que vous avez déjà piochées, quand c'est euh, noirci comme ça, ça veut dire que vous n'en avez plus dans le deck. ok Quand ce n'est pas noirci, bah enfin si vous la piochez, bah, le 2 ici il disparaît, ça devient, juste, ça devient juste la carte en fait. Par exemple là. Là, ça veut dire que j'ai un seul silence dans le deck. Là, ça veut dire que j'ai deux, deux fois la carte dans le deck. Très simple à comprendre. Voilà, rien de bien complexe. Euh, très pratique à mon sens. Et, euh, et voilà. Hop, euh, quitter. Voilà, voilà. Je voulais vous présenter ça. Pour moi, c'est les outils les plus pratiques sur Hearthstone. C'est le, le bagage à avoir que tout le monde doit avoir. Et que, qui permet vraiment de. Bah, d'améliorer le jeu en fait, de, de passer un meilleur moment sur le jeu. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai essayé de faire le plus court possible, en même temps vous, vous donner le maximum de possibilités d'informations, pas vous donner un seul tracker ou un seul site ou quoi que ce soit. J'ai essayé de varier un petit peu pour que tout le monde puisse choisir. Euh... N'hésitez pas à vous abonner les bros, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment vraiment euh, très très plaisir. Sachez que des vidéos tous les jours, pas bah, justement avec des déclistes, avec des petits, des fois des petites conseils, des petites strates comme ça, des petits conseils, euh, des trucs sympas, du coaching de temps en temps. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les potes.